Hello les Pokéfans, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en grande forme car aujourd'hui on se retrouve pour un produit très très particulier. On va ouvrir un calendrier des fêtes Pokémon. Alors c'est vrai que pour parler des fêtes on est un petit peu en avance hein, mais ça c'est un produit qui vient juste de sortir. Je ne voulais pas attendre avant de vous le proposer sur la chaîne et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes impatients pour cette ouverture. Et j'ai eu ce produit sur la boutique Pokémums et n'oubliez pas de regarder un petit peu tout le site parce qu'il y a plusieurs licences bien entendu. Vous avez mon code promo XPKAMI pour avoir un booster offert à partir de 60€ d'achat. Je vous mets tous les liens dans la description ainsi que les informations. Donc je vais pouvoir vous présenter en fait le coffret, mais en fait il est beaucoup trop grand. C'est voilà un calendrier des fêtes sous forme de rectangle. Donc bon, déjà je peux vous montrer en grandeur nature un peu les Pokémon qu'on retrouve dessus. Alors bien sûr, comme c'est un calendrier des fêtes, c'est surtout des Pokémon de type glace, mais pas seulement, comme vous pouvez le constater. Le petit Pikachu qui fait de la patinoire, c'est juste adorable. Et regardez en fait, regardez, comme ceci, voilà, ce sera plus simple de vous montrer comme ça. Hop là, je sais pas si vous allez voir grand chose, ouais. Effectivement, franchement, le coffret est vraiment beaucoup trop beau. Est-ce que je peux vous montrer sur les côtés? Bon, là, une petite Pokéball. Derrière, on voit le contenu du coffret, tout simplement. Je pense qu'il y a 5 boosters, mais pas seulement. Alors, attendez. 8 cartes brillantes, ok. Donc, avec le tampon festif, c'est très certainement le petit glaçon qu'on voit juste ici. Voilà, sur le côté de la carte. Nous avons également 5 boosters, ok. 7 packs loisirs de 3 packs. Je ne sais pas ce que c'est, hein, on va bien voir. 2 pièces Pokémon, 2 pages d'autocollants, un porte-clés Pikachu et Givrali, donc ce qui fait 2 du coup. Ah non, du coup, c'est un seul porte-clés avec les deux dessus, je pense, les deux Pokémon dessus. Et voilà, et on va voir en fait, tout simplement, parce que la meilleure façon de découvrir, c'est de l'ouvrir en fait. Ok, c'était le petit fourreau du calendrier en fait. Regardez-moi ça. Ta-da-da. Ah ouais, c'est super beau. Vraiment, ce petit déballage vraiment régale. Donc c'est dans l'ordre 1, 2, 3, 4, ok, donc au moins c'est quand même assez pratique. Alors j'ai changé d'angle de vue de manière à ce qu'on voit bien le calendrier parce qu'il est quand même assez grand. Alors nous avons la case numéro 1 ici que je vais ouvrir dans un instant. Et ça va être la big surprise. Qu'est-ce qu'on a pour le premier jour? Ok, c'est une carte. Waouh, le Givrali qui est vraiment magnifique. Alors ce n'est pas une carte promotionnelle, mais il a toutefois son petit flocon en bas à droite pour indiquer que c'est une carte exclusive au calendrier des fêtes. Et la carte est juste dingue, donc trop contente de la voir et je vais la laisser sceller. On va pouvoir passer eh bien, au deuxième, enfin la deuxième case en fait, qui se trouve juste ici. Ah, c'est un booster. Et c'est un booster évolution à Paldea, ok. Je l'avais mal ouvert. Alors, le placement du coup c'est toujours l'avant-dernière carte. Une énergie feu tout simplement. Blitzy, ok. Un passe rouge. Voltorb. Clavel, très bien. Matourgeon que j'aime trop, qui est beaucoup trop beau. Canard Bello. Le drone livreur. Oh mais attendez, j'ai dû l'avoir, c'est obligé. Gouroutan en reverse, Lixie reverse et Floricla en carte holographique, très bien. Alors pour la case numéro 3 qui est juste en dessous, au moins c'est bien fait, hein, c'est pas éparpillé. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on aura? C'est le porte-clés. Ok, le porte-clés dont ils nous ont fait l'éloge en fait de Pikachu et Givrali qui est absolument dingue en fait, il est trop mimes. Je pensais pas qu'il serait aussi gros en vrai et il est plutôt très très bien réussi. Donc 2023 bien sûr pour associer ça au calendrier des fêtes. Et voilà, et il est vraiment super chouette. Et là il s'agit d'une carte, mais alors attendez celle-ci. Ah si, j'allais dire, j'ai pas l'impression qu'elle soit scellée. Ok, j'ai réussi parce que c'était pas évident, c'était resté coincé. Et c'est un Cerfrous, magnifique, petit Cerfrous, waouh. Oh, l'holographique est dingue, regarde-moi toutes ces petites paillettes là. Cette brillance pailletée, elle est incroyable, toujours avec notre petit flocon de neige à côté. Nous avons donc bien la case numéro 5. On va aller vite, vous inquiétez pas. C'est à nouveau un booster. Oh, du évolution céleste. Alors ça, ça régale. Ça, ça faisait longtemps. On s'ouvre ça. Alors, c'est parti. On a toujours... non, c'est le 1, 2, 3, 4, du coup, le placement pour évolution céleste. Alors cette fois-ci, nous avons eh bien, une énergie pour commencer le focus. Merci si tu veux bien.
Donc une énergie, on a le badge feuille-neige, comme par hasard le badge feuille-neige, c'est... franchement les choses sont bien faites. Hein. Floravol, ensuite Brésillon, un petit love disc, Krabicoque, très bien, Hippopotas, un petit Zorua, Psychoquack, Tropius en reverse et un Mastouf en rare. Bon, Mastouf, il n'est pas très festif hein, comme Pokémon, mais ce n'est rien, nous allons poursuivre du coup avec la case numéro 6 qui est juste là. Alors attendez, il faut que je déplace un petit peu le calendrier. Et c'est à nouveau un booster, mais ça c'est un booster de 3 cartes. Ça. Et le booster de 3 cartes, c'est un booster du coup échantillon, c'est un truc échantillon. Enfin, ils ont appelé ça pack loisir. Ok, un petit Célutin. Liliterel, Rocabo et on a un petit prospectus derrière. Donc on a un Rocabo en reverse, le Rocabo vraiment, vraiment il régale, surtout en reverse. Mais voilà, je vois pas trop l'utilité de ces petits packs loisirs. En vrai, c'est des boosters échantillons tout simplement. Mais voilà, ça peut toujours faire plaisir, même si en vrai moi je suis dégoûtée si je tombe là-dessus pendant mon jour de fête et que je tombe sur la case numéro 6 et j'ai trop envie d'avoir un petit chocolat avec un booster Pokémon. Je tombe dessus, bon, bof bof quoi. Mais je suis sûre que la case numéro 7 va nous porter chance. Ok, pas du tout, c'est à nouveau un petit booster d'échantillon écarlate et violet. Celui-ci est quand même super chouette. Écoutez, vous savez quoi, celui-là, j'ai presque envie de le garder scellé tellement il est trop choupi. Mais on va pas faire ça, on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Déjà, on commence avec un petit Dedenne. Hein. On continue dans l'aspect eh bien, super mignon, Balignon et Scalproie. Ok, et eh bien voilà ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est quand même assez rapide comme ouverture pour le coup. La case numéro 8. Ok, et la carte c'est... Oh, un Blizzéval, pardon. Elle est super belle aussi, vraiment, waouh. Alors là, je suis scotchée, je me souviens pas l'avoir vue éditée, celle-ci. Vraiment, l'illustration est très très jolie. Alors bien sûr, c'est pas la même édition, puisque là, elle a été rééditée avec une forme holographique différente et avec surtout le petit flocon de neige qu'on adore. Voilà, voici en fait pour la carte de Blizzéval. Ok, et bah super. J'adore les petites cartes flocons de neige. J'en ai pas mal en plus des éditions passées de Diamant et Perle et tout ça. Et ici, du coup, nous avons la case eh bien, numéro 9. Le numéro 9, c'est mon chiffre préféré. Donc j'espère que... Oh, c'est un booster. Du coup, j'espère que ça va nous rapporter. Alors, le placement, du coup, comme c'est du karaté violet, paf. Donc, nous avons eh bien, une énergie. On a Flingouste, Olivado. Ça aurait été bien qu'il fasse ça pour toutes les cartes. Ouais, en vrai, ça aurait pris un temps fou. Mais toutes les cartes avec le petit flocon de neige à côté, même les communes, ça aurait été trop bien. Scalpion, Motorizard, Bandeau Vitalité, Salarzen, un petit Zapetrel en reverse, Topico reverse. Oh, et Léviator Terra Crystal. Ok, le petit Léviator Terra Crystal que j'ai déjà, ceci dit, mais attendez, est-ce que je l'ai déjà ou est-ce que non, je l'ai pas échangé à Nejan, je ne sais plus. C'est possible. Mais bon, bref, dans le doute, je la récupère. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Puis j'adore les cartes Terra Crystal. En tout cas, du moins en cartes, elles sont vraiment super belles. Dans le jeu, bah, c'est assez joli aussi, mais ça dépend des Pokémon. Et Léviator, bah Léviator quoi. Allez hop, voilà comme ça, il est bien protégé. Ça fait super plaisir, on va pouvoir enchaîner du coup avec la suite, donc la case numéro 10. Ok, c'était... Oh, c'était une mini-case, j'avais pas vu que c'était une mini-case. Oh, et c'est un petit jeton de Frissonille. Magnifique, j'adore ce Pokémon en plus. Et en vrai, ça tombe super bien avec le calendrier des fêtes qui parle de glace en fait, où c'est des Pokémon glace un petit peu partout. Oh, il est trop mimes, j'aime trop. Ensuite, nous aurons eh bien, la case numéro 11. Alors, je commence à descendre le calendrier déjà. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des autocollants. Okioki. D'accord, donc il y a un Pikachu ici. Là, il y a un cas d'oiseau. Très sympa. Oh, et le Goopix d'Alola avec un Frissonille et tout. Ah, c'est bien. Ça, c'est pour mettre sur les cahiers, pas sur les fenêtres, hein, parce qu'il y a des autocollants dédiés pour mettre sur les fenêtres pour décorer. Mais en vrai, enfin, quoique, peut-être que... Non, je pense que ça va abîmer les fenêtres, mais ça aurait pu être une très très bonne idée. En tout cas, voilà pour les petits autocollants. Et nous passons à la case numéro 12, la dernière du bas. Et ensuite, on va pouvoir passer au côté droit.
Oh, le Pikachu. Oh, j'aime trop. Mais alors, pourquoi ce Pikachu n'a pas un flocon de neige? Parce que ce n'est pas un Pokémon de type glace. Ah si, il est à côté, j'avais pas vu. Du coup, ils l'ont pas mis à droite pour ne pas gâcher eh bien, le visage de Pikachu, tout simplement. Cette fois-ci, ils l'ont mis à gauche, ok. Avec sa pique à frappe, waouh, mais démentiel, ok. Je suis trop contente de l'avoir. Alors celle-ci, par contre, bon, je pense que je vais la garder scellée, mais je vais la mettre dans ma collection de cartes Pikachu. Une nouvelle carte Pika que j'ai failli louper si je n'avais pas acheté ce calendrier des fêtes, tout simplement. Donc, waouh, 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 waouh. Pour moi, la case numéro 12... Clairement, c'est la meilleure pour l'instant, du moins sur ce côté-ci. On va voir ce que nous réserve le côté droit, avec du coup, eh bien, la case numéro 13. Alors attendez que je fasse un petit peu de place, du coup, parce que ça commence à faire du bazar, tout ça. C'est à nouveau un booster, et cette fois-ci, c'est du point de fusion, yes. Eh ben, s'il vous plaît, priez pour qu'on ait un petit Mew, ce serait sympa, même le Mew Full Art, que je n'ai absolument jamais eu, hein, pourquoi pas. Donc, en fait, toute forme de Mew sera tolérée, en fait, dans ce booster. Je vous le dis, et c'est parti. Donc toujours le 1, 2, 3, 4, et nous avons, et bien du coup, comme d'habitude, une carte énergie. On a Zarude, Delcati, Darkrai, Mizzibul, un Makuita, ok, Floatajou, Larveillette, Hermure, Brocello en reverse, et Yveltal en carte rare. Bon, et bien ce n'est pas un Mew. On est quand même tombé sur un petit légendaire, hein, c'est pas dégueu. Et nous avons ici du coup la case numéro 14. Ah du coup là, il s'agit d'un booster pack loisir. Bon, moi j'appelle ça un booster échantillon tout simplement. Mais on peut avoir des cartes ultra rares dans ce type de booster, donc voyons voir cela. Je sais que c'est déjà arrivé, bon, pas à moi personnellement. Mais c'est déjà arrivé. Et ben, en tout cas, on a une machine en reverse. Enfin, une machine, on n'a pas une machine. On a... la championne machine en reverse, et ce qui est vraiment super sympa parce que c'est une carte quand même assez jouée, et en reverse c'est très très cool à récupérer. Alors pas forcément pour moi, enfin si, pour ma collection si je ne l'ai pas, sinon eh bien je vais pouvoir régaler quelques joueurs du TCG tout simplement. Et nous avons la case numéro 15. Ok, c'est encore un petit échantillon, mais regardez celui-ci comme il est trop choupi. Oh, j'aime trop celui-là. Donc cette fois-ci, c'est un échantillon de points de fusion. Et c'est là qu'on chope le Mew. On se rattrape là-dessus et on chope le Mew. Alors, pas du tout. Pas du tout, mais le petit Morpeko me régale quand même. Ok, eh bien, pour cette case, c'est quand même assez rapide, hein, les boosters de 3 cartes. On est sur la case numéro 16. C'est une carte, attention... Et eh ben on l'a vu sur la boîte, c'est un Exagel et il est tout heureux, ça fait plaisir. Alors oui, Exagel, il n'est pas très expressif en temps normal, mais là ça se voit, hein, clairement à son petit sourire et ses yeux qu'il est tout heureux. C'est à nouveau un booster de 3 cartes. Alors ils ont dit qu'il y en avait combien? Je crois qu'ils ont dit qu'il y en avait 7, hein, quand même. C'est beaucoup, hein. 5 boosters normaux et 7 boosters comme ça... de 3 cartes. Bon, Fulgulero cette fois-ci. On a 2 Pokémon de type électrique. Plutôt sympa. Ok, c'est une mini-case. Ok, le jeton était coincé. J'ai dû le faire remonter. Alors, cette fois-ci, on a le petit Goopix d'Alola. Waouh, entre le Frissony et le Goopix d'Alola, franchement, ça me régale. Les deux sont vraiment beaucoup trop beaux. Et puis Goopix d'Alola, quoi. Non, mais je l'ai en peluche et tout. Je vais me mettre à le ressortir. Donc, il y en avait 2. Hein. Il n'y avait que 2 pièces. Ça, on était prévenus. Donc c'est à nouveau un booster échantillon. Oh, avec le petit Evoli, celui-ci. Un booster échantillon évolution céleste. Très bien, ok. Non mais en fait, il est dingue ce calendrier. J'aime trop. Et justement, nous avons un Evoli dans le pack avec Bombidou et un petit Rhinolove en reverse. J'aurais préféré avoir l'Evoli en reverse pour le coup. Donc voilà ce que contenait ce booster de 3 cartes. Nous avons la case numéro 20 qui est juste ici. C'est une carte, attention, attention, laquelle c'est? C'est Frissony, justement, adorable. Ok, bah en mode figurine, tout simplement, sur un tronc d'arbre, voilà. Le petit Frissony, on avait eu le jeton, enfin la petite pièce maintenant. On a Frissony qui appartient à la série Point de Fusion avec son petit flocon de neige. Ok, trop cool, j'aime trop la série, du coup, la petite mini-série de cartes flocon de neige, je vais les appeler comme ça. La case numéro 21, on s'approche de la fin.
Ok, et toujours un booster de 3 cartes, ça doit être probablement le dernier, je pense. Hein. Ou du moins, on s'en approche. Donc on a un Scrutella, Maryl et Magirev en reverse. Ok. Ok pour cette pioche. Ensuite, la case numéro 22. Oh, attendez. Oui, c'est la 22. Toujours peur d'allumer les cartes. Oh, c'est un Goopix d'Alola. C'est un Goopix d'Alola V cette fois-ci. Waouh, et bah sublime, vraiment magnifique la carte. Trop bien, et pareil avec son petit flocon de neige. De nouveau qu'on retrouve cette fois-ci à gauche. Et bah trop bien, bah, pour l'instant vous allez me taper si je dis que je préfère le Pikachu. Voilà, bon, en tout cas le Goopix fait trop plaisir. Pour l'instant c'est la meilleure surprise hein, sur ce côté droit du calendrier. Et je vais poursuivre parce qu'il nous reste encore deux cases. Non, 3 cases, 23, 24, 25. C'est vrai, il y a certains calendriers qui s'arrêtent à la case 24 pour le réveillon. Mais là, nous avons 25 cases. Ah, c'est les petits autocollants. Happy Holidays. Oh, trop choupi. Ok. Voilà comment il se présente. Oh, il y a un petit plouf dessus, ça va me régaler. Il y a un petit plouf. Oh, il y a un petit plouf. Oh, je suis trop fan. Ok, je suis trop fan. Très bien, même si ça reste que des autocollants, hein. Calmons-nous. Ça va, c'est pas la folie non plus. Mais ça fait plaisir. Alors, l'avant-dernière case. Oh, il y a un petit code cette fois-ci. Oh ! Ok, bah, en même temps, c'est le réveillon. Et pour le réveillon, on a Givrali VMAX Full Art. Enfin, c'est pas une Full Art en fait, les VMAX sont pas des Full Art, mais vous avez compris. C'est une carte Givrali VMAX. Ok, elle est sublime. Bah, Givrali, forcément, un peu un des Pokémon stars hein, en termes de type glace. Donc ça se comprend, le petit Givrali qu'on a vu également sur la boîte. On a été teasé, très clairement. Alors, oh, la carte est trop belle, je suis trop contente. Bah, celle-ci, je vais la déceler, clairement. En plus, il y a un code avec. Il y a un petit code promo. Alors, je ne sais pas ce qu'il va donner celui-là, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant à tester sur le site de Pokémon. Et la dernière case pour Noël, eh bien c'est un booster. En vrai, moi j'aurais peut-être mis la carte de Givrali pour le 25. Hein. Et c'est un booster du coup, évolution à Paldea. Allez, si là-dedans il n'y a pas une carte ultra rare, c'est quand même triste pour le jour J. Pour le jour de Noël. Ok, alors, tac. Donc la petite carte énergie, on a pomme. Ambrilex. Oh, j'ai mis mes cartes. Non, mes cartes tombent. Ok, donc Solochi, Bacabou, Saguaro, Farigiraf, que j'aime beaucoup, Diamat, Cradopo Reverse, Coiffeton Reverse, attention. Oh, quand même. Ah, bah voilà. Ah, j'avoue. Ah, j'avoue. L'esprit de Noël, la magie de Noël. Ok. Fortress X en carte Terra Crystal. Fortress Terra Crystal. Ok, bah voilà, au moins une ultra, ça régale. On a eu deux Pokémon Terra Crystal hein, dans ce calendrier. Alors attendez, je lui attrape une petite pochette quand même. Il mérite, il est plutôt sympa. Hop. Voilà, on aura eu ces deux-là. En Pokémon Terra Crystal, ça fait plutôt très plaisir. Alors moi, bon, celle que je préfère évidemment, c'est mon petit Pikachu, bien sûr, bien entendu. Et après, le Goopix, le Givrali qui régale. Enfin voilà, mais du coup j'ai ouvert toutes les cases parce que voilà, quand il y a une seule carte ou quand il y a effectivement un booster de 3 cartes ou juste un jeton, etc. Bon, vous vous rendez bien compte que je vais pas vous faire une vidéo par jour pour ouvrir seulement une petite case comme ça et la vidéo dure absolument 30 secondes et c'est terminado. Franchement, le produit m'a régalé, c'est vraiment une très bonne surprise et ça tombe bien parce que c'est fait pour ça, hein, les surprises pendant les fêtes. Donc voilà, si le produit vous intéresse, vous pouvez cliquer dans la description sur le lien de la boutique Pokémams. Allez, je vous fais plein de piques et bisous, mouah, mouah, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!